Une nouvelle semaine démarre, nous sommes lundi, je vous retrouve avec le même plaisir de vous servir dans l'actualité de ce soir. L'ancien président béninois Thomas Boniyayi, désigné médiateur dans la crise guinéenne au terme des travaux du sommet de la CEDEAO tenu à Accra au Ghana, réussira-t-il sa mission? Vous suivrez à ce propos une analyse de notre rédaction dans ce journal. La session de remplacement du baccalauréat 2002 a démarré ce matin au CEJ Sainte-Rita. Nous en parlerons dans cette édition. Durcissement des sanctions contre la Russie, septième vague de sanctions contre Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine qui va viser principalement l'or russe. Dans un instant, le développement de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. La session de remplacement du baccalauréat 2002 a démarré ce matin. Le lancement des épreuves s'est déroulé en présence du directeur de l'Office du baccalauréat, compte rendu Melchisedec Sagbo, dit par Candide Degboué. Ici, au CEJ Sainte-Rita, les candidats absents ou malades à la session unique du baccalauréat composent ce lundi la session de remplacement, toute série confondue. Ils sont au total 54 candidats répartis en 6 salles à composer. On a des candidats de la série A1, A2, B, C, D, F3, F4 et G1. Selon Mauril Mondé, chef centre du CEJ Sainte-Rita, la direction de l'Office du baccalauréat a pris les dispositions pour renforcer la santé des candidats en cas de force majeure. Il y a non seulement l'infirmière, mais il y a tous les produits pour pouvoir les venir en aide s'il y a des difficultés. Pour les années passées, il y a un véhicule mis à notre disposition pour rapidement amener ces candidats-là vers le centre le plus proche qui est Bethesda. Et je pense que chaque fois on réussit, il n'y a jamais eu de problème assez grave. J'espère que cette année, nous prions Dieu, il n'y aura pas de problème également. Notons que tout comme la session unique, la session de remplacement va durer 3 jours et donc prendra fin mercredi prochain. La réouverture de l'exposition des trésors royaux à la présidence de la République était au cœur d'un point de presse animé hier par le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine. Face aux hommes des médias, il a retracé les grandes étapes des actions menées en amont par son organisation de concert avec les autorités béninoises. Compte rendu, Stanislas Samoa. C'est une séance d'échange au cours de laquelle le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine parle de la réouverture de l'exposition des trésors royaux au Bénin. Il met un point d'honneur sur la contribution de l'institution aux différentes démarches qui ont précédé leur retour au Bénin. J'avais déjà lancé l'appel avec l'ancien président, le président Soglo. Il y a quelques années de cela, nous avions publié un appel dans la nation au Bénin et dans le monde en France pour demander que les objets africains en général et les trésors d'Abomey en particulier reviennent au pays. Et l'occasion, c'est en effet cette exposition, le vernissage qui a eu lieu il y a 2 jours, de la restitution à la révélation. C'est une exposition magnifique. Et je dois dire que tous ces trésors d'Abomey et du Bénin que je voyais en France avec colère et frustration, je les vois maintenant au Bénin avec joie et fierté. C'est selon lui le fruit d'une parfaite collaboration entre les dirigeants béninois et la diaspora africaine. Et je crois qu'il y a eu une belle coopération entre l'Afrique et la diaspora. La diaspora où je me trouve, l'Afrique où se trouve le président Talon, mais c'est les deux, je pense, qui ont permis cette victoire dont je me réjouis. Joseph Diagounou est le nouveau président de l'Union progressiste en remplacement de Bruno Amoussou. Il a été désigné samedi dernier à l'issue d'une rencontre du bureau politique tenue à Cotonou. Après sa démission de la Cour constitutionnelle, il prend les rênes de l'Union progressiste, l'un des blocs de la mouvance présidentielle. Sa désignation est intervenue suite à la démission de Bruno Amoussou, qui dirigeait le parti depuis le Congrès constitutif. L'ancien président de la Cour constitutionnelle sera aidé
dans sa mission par Mariam Tchabi Talata et Gérard Gbenonsi, respectivement au poste de première vice-présidente et de deuxième vice-président. Et je vous l'annonçais en titre, mesdames et messieurs, l'ancien président béninois Thomas Boniyayi a démarré effectivement sa mission de médiation en Guinée. Rappelons que sa désignation au poste de médiateur dans la crise guinéenne a été entérinée le 3 juillet au terme des travaux du sommet de la CEDEAO tenu à Accra au Ghana. L'ancien chef d'État réussira-t-il sa mission de médiateur? Je vous invite à suivre ici cette analyse de la rédaction de Den TV et de Diaspora FM. Le président Doumbouya, n'est-ce pas, est de bonne foi. Peut-être que c'est l'expérience qui lui manque. Ce qui lui manque, je crois que Yaye Boni va lui apporter ça. Je sais qu'il le fera dans la transparence et la justice. Et c'est ce que le peuple, c'est ce dont le peuple guinéen a besoin aujourd'hui. Mais Yaye Boni n'est pas à sa première médiation sur le plan international. Il a déjà fait, il a eu des preuves. Yaye médiateur, vraiment, ils ont choisi un bon médiateur. Puisque Yaye Boni a fait plus de 10 ans dans ce pays. On a vu comment il négocie les conflits. Bon, aujourd'hui, les médiateurs, ce qui est sûr, il va réussir sa mission. Je dis que c'est une bonne chose. C'est la fierté du Bénin. Dès sa nomination, vous avez vu, toute la classe politique guinéenne s'en est réjouie. Parce qu'ils ont dit, c'est un démocrate et il a respecté les deux mandats. En somme, les citoyens béninois donnent carte blanche au nouveau médiateur Thomas Boniyayi dans la crise guinéenne qui succède ainsi à Mohamed Ibn Chambas. L'analyste politique Marcel Zoumenou énumère quelques critères qui ont certainement pesé dans la désignation de l'ancien chef d'État béninois. Et la plupart des gens qui ont gagné la confiance des chefs d'État, c'est souvent des anciens présidents de la République. Et donc, moi, je peux dire que c'est le plus grand critère qui a milité en sa faveur. C'est un ancien président de la République. Deuxième critère, c'est les gens essaient d'évaluer quelles sont les potentialités que vous avez pour gérer la crise dans un pays précis. Et je voudrais rappeler que pour le cas du président Boniyayi, c'est quelqu'un qui, en tant qu'ancien président en exercice de l'Union africaine, avait déjà fait beaucoup de choses et avait pris une part très importante dans la résolution de la crise guinéenne. Enfin, le troisième critère, c'est que Yaye Boni apparaît aux yeux de beaucoup, même dans la classe politique guinéenne, comme quelqu'un qui est très attaché à la démocratie, à la liberté. Mais il faut le noter, vous ne devenez jamais médiateur dans une crise si vous n'avez pas l'aval de votre pays. Donc cela veut dire que le chef d'État, le président Patrice Talon, a dû jouer aussi un rôle important dans la désignation de son prédécesseur. Pour Hamzat Abdoulaye, d'autres éléments confortent la désignation de l'ancien président de l'Union africaine. Que ce soit lors des discussions avec les autres États comme le Mali et autres, son image n'a pas du tout été connue. Et son origine aussi est un avantage parce que le Bénin ne s'est pas prononcé contre ces juntes-là qui sont arrivées au pouvoir durant cette période, contrairement au Ghana qui s'est prononcé de façon très dure et fortement. Je pense qu'il y a un dernier point qui s'ajoute, c'est que le président Boniyayi fait l'unanimité au sein de la junte guinéenne. Donc il pourra être la voix de la junte auprès de la CEDEAO. Les deux analystes politiques sont donc unanimes sur le fait que Thomas Boniyayi réussira sa mission à lui confier par la CEDEAO. En fait, il y a deux pôles importants dans la crise. Il y a le parti de l'ancien président Alpha Condé et le parti de l'opposant historique Sélou Dalein Diallo. Et donc, les deux réactions venant de ces deux partis ont été des réactions favorables. Et vous savez, la réaction venant par exemple du parti d'Alpha Condé a dit « Si c'est lui, nous allons participer aux négociations. » Et du camp de Sélou Dalein Diallo, le porte-parole dit « Oui, c'est quelqu'un qui est très attaché à la démocratie et donc il nous rassure, nous pouvons discuter. » Et donc, vous voyez déjà là qu'il part déjà avec un avantage. L'avantage que s'il invite les gens à la discussion, les gens vont venir. Parce que si vous êtes médiateur, vous discutez avec des partis qui sont en conflit. Et donc, si vous les invitez, ils ne viennent pas, ça veut dire que vous êtes sûr que votre mission ne va pas prospérer. Mais dans son cas, lui,
les réactions qu'on a nous prouvent que les gens sont prêts à discuter une fois que c'est lui qui est désigné médiateur. Il a une certaine expérience qui joue en sa faveur, ce qui fait qu'il peut être la voix que la jeune pourra t'écouter. Donc, il va miser sur son poids, sur son influence, pour pouvoir faire une proposition concrète de sortie de crise, une proposition concrète d'une constitution ou du rétablissement d'un ordre constitutionnel en Guinée, et il pourra aussi sortir de base pour faire en sorte que la jeune guinéenne puisse organiser des élections libres et transparentes. Malgré tous ses atouts, Boni Yayi, qui va en territoire visiblement conquis, va-t-il réussir vraiment cette mission vu la grande adversité qui subsiste entre les frères guinéens? Les prochains jours nous édifieront. Hors du Bénin, à présent, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne débattent aujourd'hui d'un durcissement des sanctions contre la Russie. C'est la 7e vague de sanctions contre Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine qui va viser principalement l'or russe. Le 23 février, à la veille de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le Conseil de l'Union européenne adoptait le premier paquet de sanctions contre Moscou. Depuis, d'autres mesures ont été prises pour tenter d'empêcher la Russie de financer la guerre. Elle touche notamment le secteur financier et les transactions sur les avoirs et réserves de la Banque centrale de Russie. Des restrictions ont également été décidées sur les achats de dettes souveraines russes et les flux financiers en provenance de Russie, ainsi que sur l'exclusion de certains établissements bancaires russes du système de messagerie sécurisée SWIFT. Il faut ajouter à cela, après le 6e paquet de sanctions adopté en juin dernier, l'interdiction de 90% des importations du pétrole russe d'ici fin 2022. L'Allemagne est très dépendante énergétiquement de la Russie, a cédé et a déjà réduit des deux tiers la part de ses importations de pétrole russe depuis février. Madame, Monsieur, ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette édition. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Vous pouvez également suivre nos programmes en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonsoir.